Bonjour à tous, ses amis. La team MCLModis à l'atelier. C'est une vidéo assez particulière parce que c'est la première fois qu'on fait ce genre de vidéo sur la chaîne. Surtout qu'en France, hein, il n'y a pas vraiment d'explication, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui explique comment fonctionnent certaines choses. Dont aujourd'hui, l'unboxing d'un produit qui vient de chez RC Fascar. Cette vidéo est en partenariat avec RC Fascar. Encore un gros merci à Yves pour ce gros bijou. Parce que là, clairement, les amis, donc vous savez que chez nous, on est très fan de Spectrum. Enfin, très fan. Vous savez très bien qu'on utilise beaucoup de produits Spectrum. Enfin, beaucoup de produits. Plutôt la radiocommande, hein, très clairement. Et les récepteurs qui vont avec, bien sûr. Déjà, vous savez très bien qu'on n'est pas du tout déçu, qu'on a pas mal conseillé des personnes avec cette radio. La DX5C, donc, est déjà pas mal, hein. Déjà qu'on apprend encore quelques nouveautés encore sur cette radio. Et là, les amis, un produit qui sort de chez Fascar, donc la DX5C Pro 2021. Donc franchement, assez content de l'avoir reçu. Comme vous avez vu sur la chaîne en communauté, le frangin lui avait déjà rentré. Et franchement, ça reste quand même une énorme radio. Une énorme radio pour ce que c'est. Donc elle fait quand même un certain prix quand même. Hein. Elle fait quand même, je crois, 300. Elle est entre 300. Enfin, elle est en deux versions. Elle est avec récepteur et sans récepteur. Bien sûr, avec récepteur, je crois qu'elle est à 360 euros. Sur site de Fascar. Donc vous allez sur site de Fascar et vous verrez bien. Donc là les amis, donc comme vous voyez bien, hein, donc un colis de chez Fascar, toujours bien filmé, donc en full protection à fond, ça c'est cool, comme ça le projet n'est pas endommagé pendant le voyage. Donc les amis, on va déballer, c'est parti! Donc voilà les amis, voici, alors que je vous montre depuis près, désolé hein, si je peux pas vraiment zoomer parce que j'ai mon téléphone qui n'a plus de batterie. Donc voilà le petit bijou qui va servir dans un autre projet, enfin, pour moi. Donc là la DX5 Pro, il y a plusieurs versions de radiocommande Spectrum, surtout que après celle-là il y a DX6R qui est encore bien au-dessus. Alors déjà que celle-là, on la connaît un minimum. Donc après pour régler certaines choses, on sait comment il faut les régler. Bien sûr, j'ai quand même ouvert le colis pour voir, pour connaître le produit, pour savoir comment, quel réglage. Après il y a quand même un monde entre celle-ci et celle-là quand même. Et c'est quand même excellent. Donc les amis, on va quand même déballer le produit. Bien sûr, on a alors la roue. Regardez hein, juste là. Hein. Donc la roue ici que vous pouvez changer de position. Vous avez l'écran, alors surtout l'écran qui lui s'allume comparé à la DX5C, à la DX5C. Et vous avez le récepteur ici sans antenne, bien sûr, qui dépasse. Enfin, qui ne dépasse pas bien sûr sans antenne, pas comme sur les SR215 ou les SR315. Et la radio est quand même un peu plus lourde. Ça se sent à la main. Alors bien sûr, il y a la notice. Alors par contre, la notice à garder, hein, c'est quand même très 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 important de garder la notice, surtout qu'avec une radio à 300 euros, c'est plus conseillé de garder la notice. Surtout que là, c'est une vraie usine. On peut stocker pas mal de modèles par rapport à celle-ci où on peut en stocker que 20. Donc déjà 20 machines sur une radio, c'est déjà bien. Mais sur celle-ci, on peut déjà en stocker 250 modèles. Donc là, c'est vraiment énorme comme mémoire de stockage. Alors bien sûr la protection, donc là hein, bien sûr vous avez comme sur la DX5C ici, donc la radio que j'utilise actuellement, vous avez donc la DX5C Pro 2021, donc comme sur la DX5C, le manche ici, enfin le manche, le cache du manche pardon. Donc voilà, on a aussi donc bien sûr la partie volant,
de la radio. Donc ça, c'est pas mal, hein. Quelques accessoires fournis avec. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors bien sûr, on a le récepteur. Donc forcément, qui dit radio dit récepteur. Donc le récepteur, c'est le modèle. Alors attendez que je vous le sors du plastique. Voilà, c'est le SR 2100. Donc c'est un tout petit récepteur. Regarde, pas très grand, hein. À peine plus grand que les SR 315 et les SR 215. Donc ça, c'est pas mal. On a aussi, au niveau de la roue encore, hein, donc comme une jante à bâton. Et bien sûr, on a la centrale. Donc quand je dis la centrale, hein, c'est pas pour rien. On a vraiment la centrale. Donc attendez, hein. Déjà je vais la poser à plat. Ce serait mieux. Alors on va déjà fermer la boîte ici. Le mode d'emploi. Hop. Voilà. Donc voilà, hein, le design. Alors la différence de design entre la 10.5C et la Pro. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Hein. Il y a un monde quand même entre celle-là et celle-là. Vous voyez, hein, celle-là fait un peu plus sérieuse quand même. Alors, déjà, il y a un fameux protège-écran dessus que je vais enlever. Voilà, nickel. Donc déjà, voilà. Ah, plutôt ici, ce serait mieux. Donc franchement, déjà, esthétiquement, la DX5C Pro, elle envoie. Elle envoie fort. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors, il y a beaucoup plus de fonctions, beaucoup plus de boutons. Bien sûr, là j'ai déjà mis des piles, hein, rechargeables. Après, il faut savoir que cette radio-là est compatible aussi avec des batteries. Avec une batterie, pardon. Il me semble que ces batteries. Alors, si je dis pas de bêtises, normalement, c'est des batteries. C'est des. Alors, soit une NMH, soit une réception. Parce qu'avec une dipo, quand même, ça reste quand même assez puissant. Et il y a quand même pas mal de touches. Donc, même disposition que la DX, que la 10.5C classique. Bon, la roue n'est pas placée pareil, bien évidemment, donc une antenne, bien sûr. Donc celle-ci, par contre, avec quand même quelques euros en plus, a beaucoup plus de portée que celle-ci, qu'il faut prendre en compte, et a beaucoup plus de portée, et la réception est meilleure. La réception est meilleure, la fréquence de... Comment je peux vous expliquer ça? Vous pouvez switcher, comme sur celle-ci, de fréquence. C'est-à-dire que vous pouvez passer, quand vous allez dans le menu bindage. Bon, là je parle directement dans les réglages, mais pour que vous puissiez au moins savoir, quand vous rentrez dans le menu bindage, vous avez déjà, vous pouvez régler en fait la puissance, enfin la puissance, la fréquence si vous voulez. Alors en partant de 22, ça fait 16, 11 et celle-ci elle fait 5,5. Donc après, je ne sais pas si plus c'est bas, plus le taux de réception est haut, mais je pense que oui. Mais franchement, ouais, elle en jette sévèrement. Donc là, les amis, on va l'allumer. Alors, donc déjà, vous voyez, hein, sur la DX5C classique, le bouton est là où il y a mon pouce, donc juste là. Et sur la Pro, le bouton est juste ici, là où il y a mon index. Donc on va l'allumer, hein. Voilà, la radio s'allume. Donc je vous laisse regarder par vous-même. Vous voyez, hein, l'écran s'allume, ça c'est plutôt excellent. Vous avez toutes les données de la radiocommande, enfin toutes les données du premier modèle, mais pour l'instant il n'y a aucune machine parce que vu que c'est l'unboxing. Et franchement, quand on est dehors, c'est plutôt agréable d'avoir un écran qui s'allume. Donc, même disposition du menu, c'est la même chose sur la 10.5C classique. Franchement, excellent. Là, la petite couleur ici. De l'allumage, donc ça c'est plutôt bien. Franchement, c'est plutôt bien. Je trouve que Spectra, au niveau radiocommande, ils envoient du lourd. Surtout qu'en radiocommande, ils ont pas que ça. Ils ont aussi plein de radiocommandes à volant, c'est-à-dire un peu comme des analogiques, pas des analogiques, un peu comme des joysticks. Ouais, c'est ça que je voulais dire, un peu comme des joysticks, surtout en avion. Tout ce qui est avion, enfin, surtout pour les avions, les bateaux, s'il y a plus, et surtout qu'il y a beaucoup plus de commandes. Sur ce genre de radio.
Alors, comme je disais, cette radio-là, elle a une mémoire de 250 modèles. Donc là, on peut mettre que bateau, que voiture. Avion, c'est pas possible parce que. Enfin, je pense que c'est pas possible parce que c'est une radio différente, comme je viens de le dire juste avant. Ensuite, donc, comme d'habitude, hein, vous avez les touches de gaz. Alors, vous avez ici, c'est les touches de gaz, de direction, de taux de direction et de trim aussi, bah, comme j'ai dit. Vous avez aussi, alors, la molette juste là, hein, donc forcément pour quand vous, alors quand vous changez, quand par exemple vous, alors, attendez que je vous montre. Voilà, quand vous changez ici ou que quand par exemple vous appuyez, donc là après vous rentrez dans les menus, tout simplement. Donc là, je ressors. Vous avez aussi alors les boutons à droite et gauche, donc pour. Alors attendez, je pense que celui-ci. Non, pas celui-ci alors. Non, celui-ci ne sert à rien non plus. Normalement, il y a un bouton où vous pouvez faire retour complet. Donc de chaque côté de la molette, vous avez un bouton. Vous avez aussi des boutons. Alors juste en dessous. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, juste en dessous, là, vous avez trois boutons. Et vous avez encore trois boutons. Alors attendez. Je pense que c'est les mêmes boutons. Tac, tac. Oui, effectivement, c'est les mêmes boutons. Donc ça, c'est plutôt intelligent parce qu'en fait, ils ont fait les mêmes boutons des deux côtés. Donc ça veut dire qu'en fait, avec vos doigts, là, vous pouvez appuyer sur le même bouton, que ce soit du côté droit ou du côté gauche de la manette. Et tout en sachant qu'aussi, la roue ici, au lieu qu'elle soit basse comme ça, vous pouvez aussi la déporter directement ici à ce niveau-là. Donc ça, c'est bien. C'est indiqué aussi dans le mode d'emploi. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette radio? Donc après, comme d'habitude, comme on vous a déjà rabâché plusieurs fois, lors de l'utilisation de votre radio, vous pouvez déjà régler donc la course des gaz, comme je vous le dis ici, comme je vous le montre, la course des gaz, course de direction, vous pouvez régler plein de choses. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc là, je suis en mode course. Donc admettons si je veux changer. Donc je me baisse ici. Voilà. Je reste cliqué ici. Voilà, comme vous voyez. Et alors attendez, là, je suis dans le menu. Voilà, le menu subtrim. Là, je suis dans le menu. Donc inversion, je pense. Voilà, c'est ça. Inversion. Et là, je suis dans le menu vitesse. Et là, après, bah, je peux plus. Après, quand je remonte, bah, après, je rembobine, etc. Bobine, etc. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut déjà faire aussi sur cette radio. Ça c'est plutôt bien. Donc je ressors. Ensuite, dans le menu taux, donc il me semble que ça c'est si je vous dis pas de bêtises, je pense que c'est pour supprimer certaines par exemple en direction. Par exemple, quand on parle de la direction, je pense que c'est pour supprimer. On va dire. Après, ça serait bidon de dire que ça serait le taux qui fait ça. Est-ce que c'est pas pour supprimer, c'est-à-dire le. Alors, comment je peux vous expliquer ça? L'angle de braquage, c'est-à-dire supprimer un peu d'angle de braquage, mais tout en gardant en fait. Comment je peux vous expliquer ça? Le taux, le taux, le taux. Comment je peux vous expliquer ça? Parce qu'effectivement, j'ai lu le mode d'emploi, j'ai très bien compris. Comment je peux vous dire ça? C'est-à-dire que. Alors, le taux, voilà. Le taux, en fait, ça. Comment je peux vous dire ça? C'est vraiment compliqué à expliquer. Donc, comme je vous disais, le taux, en fait, ça sert à supprimer de l'angle de braquage tout en gardant l'angle de braquage à fond. Donc en fait, même si par exemple vous mettez votre course des gaz à 150 et que par exemple en fait vous allez supprimer un peu de taux de vous allez supprimer un peu de taux de braquage, en fait par exemple vous allez supprimer un peu à droite, mais vous allez plus tourner à gauche qu'à droite par exemple. Ou si par exemple je pense que vous pouvez supprimer un peu des deux pour éviter de braquer fort des deux côtés tout en gardant le braquage à fond. C'est à ça que ça sert, exactement, c'est à ça que ça sert. Ensuite, dans le menu exponentiel. Donc, qui est juste ici, hein. Je vous montre bien qui est juste ici. C'est pour que vous voyez très bien la caméra. Le menu exponentiel, ça va servir par exemple
à ceux qui ont des crawlers par exemple, ou à ceux qui font du speedrun. En fait, l'exponentiel, ça va servir aussi alors à garder votre angle de braquage à 150, par exemple si vous mettez à 150, mais par contre, c'est pas forcément recommandé de mettre l'angle de braquage à 150 parce que sinon votre cerveau il va forcer et vous allez abîmer votre cerveau. Ça, par contre, c'est pas bon. Donc, comme je disais, quand vous mettez votre angle de braquage, donc votre course des gaz à 150 et que vous allez dans exponentiel, par exemple, vous allez et que vous mettez, c'est-à-dire, je vais rentrer dans le menu pour vous montrer. Alors, attendez. Tac, 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 exponentiel. Bon, ça, c'est la direction. Ah, voilà. Ça, c'est positif. Ça, c'est négatif. Par exemple, plus vous allez monter. Voilà. Plus vous allez monter dans le positif, plus en fait votre direction sera, on va dire, lente, plus ou moins. C'est que ça vous évitera en fait de braquer trop, c'est-à-dire trop brutalement de droite à gauche, mais tout en gardant votre angle de braquage à fond. Ça, c'est ça. Par contre, cette radio le fait. Je m'en suis très peu servi. Par contre, je m'en suis vraiment très peu servi. Mais ça sert par contre beaucoup en. Ça peut servir, à ma vidéo des choses à moi, ça peut servir surtout en speedrun et en crawler. En crawler, c'est vrai que les braquages de roues sont beaucoup plus précis. On peut pas forcément braquer brutalement d'un sens ou d'un autre, c'est pas forcément bon. Ça, je trouve ça utile. On peut même faire ça pour les gaz, on peut faire ça que gaz et direction. Que pour les gaz et la direction. Ensuite. Donc le minuteur, ça sert plutôt, c'est-à-dire ça peut servir aussi combien de temps sur le terrain dure un pack par exemple. Ça peut être très utile. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors on a le menu. Voilà, c'est ce que je vous expliquais plus tôt dans la vidéo. Juste là. Donc voilà ce que je vous explique, c'est là, c'est le rafraîchissement. Ce que je vous parlais tout à l'heure, en fait, ça s'appelle le rafraîchissement. Juste là. Quand vous allez dans le menu blindage, vous avez la même chose. Et ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que c'est pas sur tous les récepteurs que vous allez mettre le même rafraîchissement. Par exemple, moi, sur la Vendetta, par exemple, j'ai eu ce souci. J'ai eu ce souci, c'est-à-dire que c'est pour ça que lors du crash des 165, j'ai eu ce souci. C'est-à-dire qu'en fait, dans la Vendetta, j'ai un récepteur, mais qui n'est pas compatible, qui n'est pas forcément compatible avec le rafraîchissement que j'ai mis, le taux de fréquence que je lui ai mis. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut adapter en fonction, il faut adapter le taux de fréquence par rapport à vos récepteurs, parce que sinon, le récepteur, le cerveau de direction, pardon, soit il va faire ce qu'il veut, donc en gros, votre voiture va pas rester droite, ou soit il ne va pas tourner tout simplement. Il faut faire attention à ça. Donc, tu vois, général, c'est ce que je t'expliquais hein, plus tôt dans la soirée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, les mixeurs. Les mixeurs, par contre, là, on rentre vraiment dans quelque chose de plus, beaucoup plus complet. Alors, on va sortir la notice. C'est vrai que j'ai commencé sans notice parce que j'ai mémorisé pas mal de choses. Alors, les mixeurs, par contre. Alors, que je vous explique ça bien. Déjà, on va prendre le livre en français. Ça serait pas mal. Alors. Tac, tac, tac. Alors, les mixeurs, les mixeurs, les mixeurs. Voilà, les mixeurs, en gros. Par rapport à cette radio, vous pouvez alors paramétrer. C'est-à-dire, si par exemple vous avez une direction indépendante, une direction avant indépendante de la roue arrière, c'est-à-dire que chaque train a sa direction. Vous pouvez paramétrer ce réglage-là sur cette radio, que je n'ai jamais fait d'ailleurs parce que je n'ai jamais eu l'opportunité de le faire. Je n'ai pas de véhicules qui sont équipés, de ce genre de conception. Même dans l'équipe, on n'a pas forcément des véhicules équipés comme ça. Donc, ça, c'est plutôt excellent. Ensuite, vous avez aussi le paramétrage des cerveaux. Alors, c'est-à-dire, alors que je vous explique, alors que je puisse lire un peu.
Alors, sélectionnez la direction dans un écran mixte, sélectionnez deux cerveaux et cliquez sur la molette pour activer. Alors, ok, pour l'activer, sélectionnez. Ah, ok, d'accord. Et faites défiler pour sélectionner STR. Donc, STR, c'est forcément la direction, donc steering. Auxiliaire 1 ou auxiliaire 2 ou 3 pour le second canal de direction. D'accord, ok. Donc, en gros, sinon, vous pouvez aussi avoir deux cerveaux. Alors, c'est un petit peu étrange parce que y a pas beaucoup de voitures qui sont équipées de double cerveau de direction. Mais vous pouvez, c'est-à-dire brancher. Alors, brancher un cerveau sur STR, brancher un cerveau sur auxiliaire 1, 2, 3, peu importe. Et en gros, vous, sur la même molette, par exemple, vous pouvez activer. Vous pouvez en fait activer les deux canaux en fait sur la roue. Et en gros, ça vous sert en gros à ce que vos cerveaux. C'est vrai que je connais pas très très bien la radio, mais ça reste quand même quelque chose. Mais vous pouvez en gros avoir, si vous voulez, avoir deux cerveaux, en fait avoir deux cerveaux à l'avant, enfin avoir deux cerveaux fatalement à l'avant, puisque voilà, l'avant c'est la direction, mais qui peuvent en fait exercer en fait le système de direction tout simplement. Donc ça c'est plutôt bien. Et ensuite vous avez aussi alors c'est-à-dire le dual, alors le double gaz. En gros, ça veut dire que, alors, utiliser les mixages sur les véhicules nécessitant deux canaux de gaz. Sélectionnez et cliquez sur la molette. Ça, si vous voulez, ça, c'est ce genre de réglage-là que je vous explique bien. Ce genre de réglage-là que je monte avec mon doigt, donc juste là. Je sais pas si vous allez bien voir là. C'est ce genre de réglage en fait que dans l'équipe, en fait, on n'a jamais fait. Qu'on n'a jamais fait. Qu'on n'a jamais eu l'opportunité de faire parce que nous n'avons pas de véhicule, je vois que vous me voyez bien quand même, nous n'avons pas de véhicule équipé de ce genre, tout simplement. Et vous avez aussi la même chose pour les freins. Alors, utilisez le brake mist sur les véhicules à grande échelle nécessitant des cerveaux de frein avant et arrière séparés. Vous voyez, ce genre de conception, c'est des choses que nous n'avons pas que nous n'avons pas forcément dans l'équipe. Nous n'avons pas pu, nous n'avons pas des véhicules conçus encore, je le répète pour la troisième fois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, mix, alors, mix, mixage, suite. Ouais, c'est des réglages qu'on ignorait concrètement, qu'on ne connaissait pas forcément. Ensuite, après, pour le menu, alors, programmation de la VC, donc ça, c'est pas vraiment, vraiment compliqué. Ça, c'est quelque chose de base que tout le monde sait faire. Enfin, que tout le monde c'est faire, c'est-à-dire pour ceux qui exercent la SC, pour ceux qui sont chez Spectrum, bien sûr. Mais c'est vraiment. Alors, l'AVC, par contre, que j'explique bien. Alors, avec l'AVC, par contre, vous devez avoir deux bindages. Moi, je l'ai déjà fait avec la DX5C ici présent. Vous devez avoir deux bindages et en fait, il faut que votre récepteur soit compatible AVC aussi. Donc, ça, c'est aussi important. Vous devez brancher un récepteur. Sur, c'est-à-dire, alors normalement il y a un slot, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Alors il y a un slot normalement que vous devez brancher sur le récepteur. Vous devez faire une manip, voilà, vous devez faire le neutre de vos gaz, le marche avant, la marche arrière de vos gaz. Vous devez faire la même chose sur votre direction pour activer la VC. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc effectivement, après, quand vous rentrez dans AVC, ça, on l'a vu avec l'équipe aussi. Vous pouvez aussi, comment je peux vous dire ça, ajuster votre AVC. Donc, en gros, par exemple, si vous mettez votre AVC à 0%, donc forcément, l'AVC en fait ne va rien rattraper, si, ne va rien corriger, excusez-moi, si vous vous plantez ou si vous prenez mal votre virage. Par contre, plus vous augmentez en pourcentage, plus vous aurez droit à une forte correction. Lors de vos virages, par exemple. Mais il faut savoir aussi que la VC, ça consomme un peu sur les radios. Ça, c'est à savoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, après, oula, voilà, ce réglage-là, par contre, je le connais pas du tout. Parce que c'est pas quelque chose que j'ai sur ma DX5C que j'utilise régulièrement. Ça s'appelle Automatic Braking System. Donc, en gros,
un système automatique de freinage. C'est quelque chose que qu'on n'a pas du tout sur la DI5C. Alors, l'ABS aide à éviter le blocage des freins et améliore la performance de freinage en appuyant sur les freins. C'est pas quelque chose vraiment que je connais à voir par la suite, à découvrir vraiment. Ensuite, on a un réglage par contre qui est particulier pour les engins thermiques. Ça s'appelle un ralenti accéléré. En gros, ça vous permet d'avancer la position des gaz, si je résume bien, sur un véhicule thermique pendant le démarrage. Alors pour éviter l'étouffement du moteur. Alors personnellement, nous on n'a jamais vu. Vous êtes là, hein, depuis le début de la chaîne, on a quand même 862, 860 abonnés. Vous avez quand même vu que sur la chaîne on n'a jamais de véhicule thermique, donc on connaît pas forcément ce réglage-là. Mais c'est quand même intéressant à savoir. Et après on a ce réglage-là aussi sur cette radio. Franchement, la radio, c'est vraiment une centrale. Il y a plein de choses. Celle-là, on la connaît, on va dire, à moitié. Celle-ci, on va dire, on va connaître les bases. Et après, il y a d'autres choses. Comme par exemple que j'ai découvert c'est-à-dire la fréquence par rapport au récepteur à adapter, que ça joue sur la direction. Ça, je l'ai appris tout en apprenant comme là avec vous, même en lisant pour savoir quand même ce que j'ai comme produit. J'ai appris aussi l'exponentielle. Donc l'exponentielle, c'est vraiment intéressant à savoir par contre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Affection des trims permet d'affecter le commutateur au trim de gaz d'injection. Oui, ça forcément. Oui, effectivement, ça vous permet. Alors, les trims assignés, en fait, ça vous permet en fait de pouvoir changer. C'est-à-dire, si vous voulez la touche, par exemple, je sais pas. Par exemple, là, vous pouvez actionner, vous pouvez régler votre direction, par exemple, au niveau de la roue. Donc, on va dire la touche B. Juste là, hein. Donc la touche B, que je vous montre bien. Voilà, la touche B juste ici. Et par exemple, quand vous rentrez dans le trim assigné, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez régler par exemple la direction sur B. Par exemple, ben, vous pouvez changer, vous pouvez intervertir, mettre la direction, je sais pas moi, par exemple, sur la lettre H, par exemple. Tout simplement. Alors ensuite. Ah oui, vous avez aussi donc les auxiliaires à assigner. Donc, permet d'affecter un commutateur au trimmer aux entrées à un canal auxiliaire. Donc là, c'est à peu près pareil. Hein. Vous pouvez changer, par exemple, on va dire, vous branchez des LED, par exemple, bah, vous pouvez switcher, vous pouvez activer l'auxiliaire pour pouvoir allumer vos LED, par exemple. Ça, c'est intéressant à savoir. Après, vous avez aussi la télémétrie. Donc, la télémétrie, c'est pas vraiment quelque chose qu'on utilise. Après, bien sûr, la télémétrie, elle fonctionne surtout quand on est en full spectrum. Donc, on a le chargeur, les batteries spectrum, le moteur, le variateur spectrum. Voilà, c'est un peu comme Apple. Ça fonctionne vraiment ensemble. Donc, la télémétrie, on l'a pas vraiment utilisée puisque nous, on roule Obi-Wing, on roule en Jens Ace en batterie, on roule en Obi-Wing en combo, moteur Léopard, enfin, voilà. Donc on roule un peu des pas, enfin on roule un peu en ce qu'on connaît, en ce qui est fiable, tout simplement. Alors après on a la liste des fonctions. Donc après c'est vraiment un rapport avec Spectrum parce que nous, voilà, comme je vous le redis, on n'a pas un équipement full Spectrum, comme vous avez vu. Donc après là on a un drive mode. Donc, c'est pas vraiment quelque chose que. Alors attendez, je vais vous lire ça. Alors chaque modèle peut disposer de 5 modes de lecteur programmé pour un interrupteur ou un bouton pour les réglages à la volée. Alors par contre, j'ai un peu du mal à comprendre. Lorsqu'un modèle de lecteur est sélectionné, il est possible de modifier plusieurs fonctions depuis un seul choix de commutateur, alors que les. J'ai un peu du mal à comprendre. C'est pas un... Je pense que c'est pas un programme que j'ai sur ma radio habituelle. Ça, c'est sûr. Alors, par contre, le calibrage, ça, c'est vraiment très simple.
C'est vraiment très simple, hein. C'est-à-dire que, par exemple, là, je ressors. Vous allez, par exemple, dans... Alors, je crois que j'ai dépassé le blindage. Tac, 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 tac. Attendez, c'est bizarre. ABC, traction, réglage trim. Alors attendez, excusez-moi, je suis en train de chercher le blindage. Ah voilà. C'est dans... Ah oui, voilà. Ah oui, c'est dans... Ah, c'est... Ok, d'accord. C'est dans affectation et rafraîchissement. Ok, d'accord. Donc, qu'est-ce que j'expliquais? Oui, voilà, c'est ça. Mais là, normalement... Ah non, c'est pas dans affectation et rafraîchissement. Normalement, c'est dans... Paramètres radio. Voilà. Voilà, c'est dans ce menu-là. Voir si vous allez bien lire, voilà, juste ici. Donc vous cliquez là-dessus et normalement vous avez le menu calibrage. Par contre, quand vous faites ça, faites très attention à ce que le moteur soit décalé, à ce qu'il n'y ait pas de pignon moteur limite sur le moteur et à ce que vous soyez sur un banc. À ce que vous soyez sur un banc, c'est dommage, là j'en ai rangé, enfin, moi mes bancs à moi ils sont rangés, mais à ce que vous soyez au moins sur un banc en hauteur pour pas que. Déjà, la voiture s'emballe et tout simplement enlevez votre pignon moteur ou décalez votre moteur pour pas que les roues ballonnent et que ça vous explose en pleine figure. Parce que quand vous faites ça, quand vous faites la manip du calibrage, donc c'est-à-dire que vous faites votre neutre, votre marche avant et votre marche arrière de votre direction et de vos gaz, là déjà votre véhicule est déjà mieux réglé, il a déjà fait au moins le sur la radio, on peut déjà repérer le variateur déjà peut déjà repérer correctement le neutre, le gaz, la marche avant, la marche arrière des directions et des gaz. Ça c'est ce qu'il faut faire. Moi c'est ce que j'ai fait sur toutes mes machines d'ailleurs, et même ce que les gars ont fait aussi. Ça c'est intéressant, enfin c'est intéressant, c'est même très important de le faire. Allez, et je pense que j'ai fait le tour de la radio. Après, bien sûr, vous pouvez aussi régler votre. Ah, vous pouvez aussi régler la contraste de l'écran. Moi, personnellement, elle est à défaut, elle est à 10. Elle est à 10 et ça, c'est parfait, c'est très bien. Vous avez aussi, alors, le slot de carte mémoire. Donc, juste là. Juste là, je préfère. Juste là, vous avez un slot de carte mémoire. Par contre, vous pouvez pas mettre de grosses grosses cartes mémoire. C'est vraiment une carte mémoire 32 Go. Par contre, il me semble qu'il y a un type de carte mémoire, mais bon, je pense pas que si on met une carte mémoire Samsung, ça va de 32 Go, ça va faire quoi que ce soit. Alors, moi, c'était écrit en quelque part. C'était écrit en... Ah voilà. La carte SD doit être de classe 6. Donc après je pense c'est peut-être un niveau de lecture peut-être par rapport à la carte ou inférieur de 32 Go au moins formaté en FAT ou en FAT 32. Donc après je sais pas trop ce que ça veut dire FAT. Ensuite, donc après par contre alors j'ai lu quelques voilà par rapport à il y a une mise à jour du logiciel à faire. Et il y a différentes manières de faire cette mise à jour. Et par contre, ce qui précise bien dans le livre de la radiocommande, c'est qu'ils nous mettent un gros encadré gris et qu'ils nous mettent une remarque. Et ils disent dans la remarque, alors que je vous le lis, alors les barres orange spectrum clignotent. Alors les barres orange clignotent. Et une barre de statut apparaît à l'écran quand une mise à jour est en cours d'installation. Donc déjà ça, au moins ça avertit, au moins déjà vous avez le signe qu'il y a une mise à jour qui est en cours d'installation. Ensuite, ils vous disent, ne mettez jamais l'émetteur hors tension quand vous effectuez une mise à jour. Ce qui est tout à fait logique. Et après, ils vous disent que vous risquerez de perdre les fichiers système. Donc notamment vos données. Donc si par exemple vous avez, je ne sais pas moi, 5 machines et qu'il y a une mise à jour et que vous éteignez et que vous...
et que vous éteignez votre radio, bah vous allez perdre carrément tous les réglages de votre machine. Vous serez obligé de tout refaire. Ça, c'est un peu embêtant quand même. Surtout qu'on a plein de machines, donc là, c'est encore un autre grade. Et ensuite, ils nous disent, avant d'effectuer une mise à jour du logiciel Raceware, donc c'est le nom du logiciel, il faut toujours exporter les modèles vers une carte SD différente de celle qui va servir à la mise à jour. Donc, vous voyez, c'est quand même assez carré. Surtout que là, ça va faire quand même un moment que j'ai la DI5C. Jamais fait une mise à jour. La radio a toujours bien fonctionné. Après, bien sûr, quelques soucis de boutons que j'ai pu arranger, bien évidemment. Donc, j'ai dû bricoler ça, mais très proprement. Jusqu'à aujourd'hui, la radio fonctionne. Donc, voilà, qui va servir, hein. La mise à jour du logiciel Raceware efface. C'est pour ça qu'ils vous disent que la mise à jour, en fait, elle efface tous les fichiers. Donc, si vous éteignez pendant une mise à jour, vous perdez vos fichiers. Et si vous laissez vos modèles, vos réglages de voiture dans la radio, ici présente, vous effacez aussi, vous perdez aussi tous les réglages de vos modèles. Donc, ça, c'est très, très embêtant. Donc, après, bien sûr, ils vous disent qu'il y a deux manières de faire la mise à jour. Donc, c'est soit en fait, vous allez sur le site de Spectrum, vous cliquez sur le lien Firmware Update, donc pour télécharger le lien. Et surtout, ouais, y a deux manières, j'ai pas très bien retenu les deux manières. Alors, attendez. En haut de la page, pour indiquer sur l'illustration, cherchez l'émetteur que vous avez. Ah oui, voilà. Cherchez l'émetteur que vous avez. Cherchez l'émetteur que vous avez enregistré dans la liste My Project, puis cliquez sur Télécharger mise à jour, enfin Download Update, mais je sais ce que ça veut dire en français. Suivez les instructions à l'écran pour télécharger les mises à jour sur votre ordinateur et carte SD. Retirez la carte SD de votre ordinateur. Assurez que votre émetteur est hors tension et installez la carte SD dans l'émetteur. Mettez leur émetteur sous tension et la mise à jour s'installera automatiquement. Et là, ils disent, alors, ah oui, donc là c'est installation, ah d'accord, ok. Donc là c'est installation automatique que je viens de vous lire. Et là c'est l'installation manuelle qui dit, donc déjà étape 1, on doit déjà enregistrer alors, on doit déjà enregistrer la version désirée du logiciel. Donc fatalement, on va choisir la version la plus poussée, forcément de la mise à jour. En 2, on doit insérer la carte mémoire dans l'émetteur. Alors, enregistrer la version désirée du logiciel sur la carte SD. Ok. Insérer la carte SD dans votre émetteur. Et ensuite, on doit sélectionner une mise à jour du logiciel dans le menu carte SD. À l'écran, sélectionner du fichier qui apparaît. Et ensuite, sélectionner la version désirée du logiciel Raceware. Dans la liste des fichiers, quand la mise à jour s'installe, l'écran devient sombre et les barres Spectrum se mettent à clignoter et une barre de statut apparaît. Vous voyez, il y a quand même quelques. Il y a quand même. Voilà, je vous parle actuellement, mais bon, la radio me donne mal à la tête déjà. Tellement il y a d'informations à apprendre sur cette radio. Et je pense que là, ouais, j'ai fait carrément le tour de la radio. Hein. Le design, qu'est-ce qu'elle fait en plus. Vous voyez, hein, comme je vous ai dit aussi, hein, le récepteur qui est sans antenne, donc je vous le remontre. Voilà, le récepteur qui est sans antenne. Donc après, bien sûr, j'ai très rarement. Il faudrait que je regarde ce récepteur-là. Alors, à voir le prix. Après, il n'y a que trois canaux dessus, qui est sans antenne, donc ça, c'est très pratique. Quand même, après, il y a le bouton de bindage au dos du récepteur, ça, c'est bien. Mais clairement, j'ai fait le tour de la radio. Franchement, elle a un beau design. Elle est vraiment très très complète. Après, franchement, on va découvrir cette radio-là. Elle va servir à un projet. Bon, je vous en dis pas plus. Elle va servir à un projet. Le frangin, lui aussi, là. Donc, franchement, très très content d'avoir reçu ce produit. Merci encore à RC Fascar. Gros merci à Yves. Alors là, franchement, merci pour ce produit. Je suis vraiment très 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 content de l'avoir reçu. Alors,
Malgré qu'il y a eu un lundi férié, j'ai pu la recevoir assez rapidement. Donc ça c'est plutôt sympa. J'avais commandé la semaine dernière, fin de semaine dernière, j'ai pu la recevoir aujourd'hui mercredi. Donc ou jeudi. Non, je vous dis des bêtises. Ou jeudi. Excusez-moi, nous sommes jeudi. Donc voilà. Donc sur ce les amis, prenez soin de vous. J'espère que vous avez passé une bonne journée et je vous dis à plus sur de prochaines vidéos. Big up à vous!